toujours au pèlerinage du Puy avec Monseigneur Crépy qui nous accueille au Puy. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes donc à cette 9e édition du pèlerinage. Vous avez marché, je crois, aujourd'hui. Oui, toute la journée. Et alors, c'est un pèlerinage interdiocésain. Vous tout avez à vu fait. Tous les groupes passer. Oui, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et quelle est l'importance de cette rencontre interdiocésaine? Bah, écoutez, ça permet aux jeunes de différents diocèses de se rencontrer. Ça permet aussi dans les diocèses où il n'y a pas beaucoup d'étudiants de faire la route avec d'autres étudiants. En Auvergne, on n'a pas beaucoup d'étudiants. Et donc, quand on fait une route avec tous les quatre diocèses d'Auvergne, bah, ça nous fait une route quand même honorable. Et parce que, selon vous, quelles sont les difficultés pour les jeunes à partir en pèlerinage comme ça, à se mettre en route? Bah, des fois, ils ont des problèmes pour marcher, pour commencer. Donc, il y a des premières difficultés très concrètes. Pour se mettre en route, non, je pense qu'il faut simplement qu'ils se décident de se dire « Bon, bah, voilà, je prends un week-end pour aller marcher. » Certains ont des examens lundi, dans mon groupe, j'en avais plusieurs, mais qui ont fait vraiment le choix de se dire bah, « Je résivise tout avant et je pars en pèlerinage. » C'est aussi une démarche importante pour une aumônerie étudiante. C'est un événement fort dans l'année. Les thèmes, la rencontre, la prière, la beauté du paysage... vraiment, il y a toutes les dimensions. Et à une échelle un peu plus générale, le pape François a appelé un synode pour les jeunes de l'Église. Qu'est-ce qui va être organisé au sein de votre diocèse pour cette rencontre-là? Ben écoutez, il y a une enquête déjà qui nous a été donnée pour qu'on sache un peu qui sont les jeunes, ce que les jeunes attendent, ce qui est important dans l'Église pour les jeunes. Et puis, quand le synode va petit à petit prendre son développement, eh bien, je pense qu'il sera très important de mettre les jeunes dans le coup pour qu'ils voient qu'ils ont leur place à prendre dans l'Église. Merci beaucoup, Monseigneur, et bonne soirée. Merci à vous.